Eh ohayo minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on est sur Fallout 4. Et on va continuer, on va dire, la quête des robots. Donc c'est la partie 2. Donc voilà, donc là j'étais sorti du complexe là, et voilà, donc voilà, il faut que je retourne chez moi, que je construise un atelier de robots. Donc on va faire cela. Ok, voyons la carte. Putain, ma carte elle est vraiment, vraiment cherchée partout. Ok, on va accentuer Hills. C'est parti. Et voilà, on est arrivé. Ok, d'accord. Je peux pas y aller. Je ne peux point aller. En plus, j'ai ramassé une figurine. Il faut que je regarde. Je crois que j'en ai une figurine. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai passé F. Ouais, non, je vais poser, je crois. Ok, donc on va créer un atelier de robots alors. Si on veut faire de vieux os dans ce boulot, il faut partir du principe que tous les autres veulent votre tour. Merci, je vais rester à appuyer sur B. Ok, je sais pas dans quoi ça doit être. Ah mais voilà, spécial. Ok, je vais créer ça moi. Ouais, faire que l'extérieur, ok d'accord. Où je vais le mettre franchement? Je sais pas du tout où je vais mettre. Ça va mieux courir avec ça. Je sais pas où trop je voulais créer ce machin. Je crois que je vais mettre là pour l'instant. Ça va trop. Je crois que je vais la créer vers ici. Ouais, ouais je vais créer vers là. Ok. Hey. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On peut installer la balise radar? Attends, mais. Faut-il vraiment que ce soit toi? Je pourrais l'installer sur un autre robot? Ma mémoire contient plus de connaissances que tous les nouveaux robots que vous pourriez assembler. Votre sollicitude me touche? Mais je vous garantis que cette installation ne me causera aucun dégât. Prêt? Ok, d'accord. C'est l'heure d'opérer. Simplement, ne débranchez rien d'important dans mes circuits. Quand je serai dans l'établi, installez simplement la balise radar. Je m'occupe du reste. Okay. J'espère que vous retrouverez votre fils. C'est toujours fascinant de vous voir à l'œuvre. Quand même, bon. Je parie que ça vaut un paquet de capsules. J'ai déposé des trucs. Général. Hein. Général, ouais. Alors, fabriquer. Alors, Ada. Putain, ouais, on peut améliorer plein de choses. Ah, ma gueule. Ok. Ah.
s'ennuie jamais dans le Commonwealth. Ce qui serait un bon point si on passait pas notre temps à fuir le danger. Prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Ou si vous voulez que je relise votre journal de bord, par exemple. Putain, on peut... Oh my god. Oh. Rien ne reste caché indéfiniment. En tout cas, pas si j'ai mon oeil. Mais c'est quoi ce truc? Laser automatique. La cloueur carrément. Ah mais c'est sérieux là. Ok d'accord. Un flambeur, j'ai plus Merde, c'est l'arme future, soit. Après, il faut des adhésifs. Oh putain, j'ai bouffé tout le monde à l'adhésif, sérieux. Chenille, en fait, on perd gavé en place, sérieux. Mon robot, enfin Ada. Bon, je l'ai un petit peu amélioré quoi. J'aurais peut-être dû la peindre. Attention. Oui. Hey, Ada. Un instant. La modification a réussi. Le nouveau périphérique a été détecté et la mise à jour logicielle est en cours. Installation terminée. Analyse du composant du mécaniste. La balise radar reçoit un puissant signal crypté, mais impossible d'en déterminer la source. Ok.
À ton avis, le mécaniste sait-il que nous contrôlons la balise? J'ai déjà ajouté un pare-feu pour dissimuler ma position et bloquer toute commande néfaste envoyée par le signal. Malheureusement, c'est ce qui nous aiderait à établir d'où provient le signal. C'est un bon début, en tout cas. Absolument. Avec un peu d'aide supplémentaire, je devrais pouvoir décrypter le signal et localiser le mécaniste. Heureusement, je détecte un autre cérébrobot dans le Commonwealth qui reçoit le même signal. Ah bon? Enfin, nous avons un atout. Peut-être. Mais ce n'est pas si simple. Le cryptage de la source du signal est complexe, mais pas impossible à décoder. Si vous m'apportez deux autres balises, elles devraient me fournir les clés et les algorithmes nécessaires pour améliorer mes capacités de décryptage. Ok. Cool. Tu es sûr que ça va marcher? J'ai calculé la probabilité de réussite à 96,9%. Ça va? Au vu de vos capacités, je crois que nous avons toutes les chances d'y arriver. Allez, on va blaguer, on va rigoler. La chasse au cérébrobot est ouverte. Au moins jusqu'à la fin de notre mission. Je transmets tout de suite la position du cérébrobot à votre Pip-Boy. Faites attention. Ces robots se déplacent rarement seuls. Vous risquez de vous heurter à une certaine résistance. Hé, hey, tu es avec moi, toi? J'ai vraiment quand même la peine quand même. Peinture rouge. On va déjouer. Attention. C'est avec joie que je vous aiderai si je le peux. Allez voir ce que c'est. Par ici. Voyons voir, est-ce que je peux crafter un nouveau robot? Peut-être. On va regarder la tête. C'est un robot qui va rester à la base. Ah, on peut choisir la voie. Merde. Vous savez vraiment comment vous y prendre avec un établi? Bon, allez, on y va. Les cultures poussent bien en ce moment. Je crois que c'est tout bugué. Vous n'avez pas encore vu Grey Garden. Vous devriez aller y faire un tour. Je crois que je vais équiper d'armure, tiens. En plus, laquelle c'est? Je crois que c'est celui-là. Ok. Non. Je crois que c'est celui-là, non, non, c'est pas celui-là. Enfin, je pense pas, en plus. Je peux pas vendre mes trucs, y'a pas de... Ouais.
Je vais faire quelques ventes, je reviens après. Échangeons des objets. Entendu. Bah, pas échanger. Faisons du troc. Allez-y. Ok. En fait, non. Ils sont bugueux, quoi. J'espère que vous n'êtes pas un de ces synthétiques venus m'espionner. Non. Ok. On va faire un dodo. Hein. Et voilà. J'arrive pas à croire qu'on a dormi aussi longtemps. Quoi, j'ai dormi avec le robot. Sérieux. Belle journée. Ouais. Où on va? Belle journée, où on va? Bah toi tu restes là, déjà. Excusez-moi. Je parie que j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Ouais. Troquer. Donc là, voyons ce que vous avez là. Voilà ce que j'ai. Voilà. Ça sert à quoi? J'ai récupéré des trucs. Ok. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Donc voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Je vais faire les quêtes, on va dire. Alors, chasseur de tête. On va faire ça. Ok, maintenant il faut aller où? Alors, chasseur de tête, chasseur de tête. Ok. Ah, là. Ok, j'ai rappelé ici. Qui est là? Tu vas morfler, connard! C'est vraiment trop facile. J'ai oublié qu'il y avait des gens pas beaux ici. Des gens pas beaux et méchants. S'ils sont encore là, nous les trouverons. Mais crève, putain! Sans déconner. Ouais, carrément, on reste très loin. T'sais. C'est un mot de pouce que t'as chez toi!
Merde. Ah. Je commence juste à m'échauffer. Mais elle se déplace qu'à la... fin ou quoi? Sérieux? Ok. Et c'est ok hein. Faudrait juste qu'elle soit un peu plus réactive quoi, qu'elle vienne m'aider direct. Mon compteur GGR s'affole. Nous ferions bien d'avancer. Ouais, le mien aussi. Ça pue. Grave l'endroit là. Ça sert le but de les tous les activer, mais je vais activer celui-là quand je suis là à côté. Veuillez vous écarter.
pouviez pas mieux tomber. Vous cherchez un nouvel endroit où vous installer ? Peut-être bien. Pourquoi ? Vous avez quelque chose à me proposer ? Bien sûr. Venez chez moi. Je vous envoyais... Hop. Merci. Je vous retrouve là-bas dans un jour ou deux. Je veux juste échanger quelques trucs. Bien sûr. Prudence. Oui. Voilà, Ada. Une balise radar légèrement amochée, mais parfaitement fonctionnelle. Ça fera parfaitement l'affaire. Et si tout marche comme prévu, elle devrait nous aider à remonter le signal du mécaniste. Ne t'en fais pas. Ça va marcher. Je l'espère bien. Je vais lancer mon processus de décryptage. Ça risque d'être long. En attendant, j'ai détecté le signal de la balise d'un autre cérébrobo. Nous ne devrions pas avoir besoin d'en chercher une autre. Ok. Et où se trouve le dernier cérébrobo exactement ? Oui, savoir où aller devrait se révéler utile, n'est-ce pas ? Si mes calculs sont exacts, le signal vient de... Oh non, mauvaise nouvelle. Je sais d'où il vient. Le cérébrobo se trouve à l'antenne satellite de Foragen, ce qui veut dire qu'il est aux mains des démons de la rouille. Les démons de la rouille ? Qu'est-ce que c'est ? Permettez-moi de vous expliquer. Mon ancienne caravane a croisé leur chemin une fois, quand nous traversions la rivière pour atteindre la ville. Les démons de la rouille forment un gang de pillards sans merci qui emploient des robots pour commettre leurs méfaits. Ils ratissent le Commonwealth à la recherche de nouveaux modèles. Tous ceux qu'ils n'arrivent pas à capturer et à reprogrammer sont réduits en pièces détachées. Ils représentent une menace bien plus grande pour moi que pour vous. J'aime autant vous prévenir. Cela étant dit, malgré ce qui nous attend, je peux continuer à décrypter le signal sans problème. Pouvons-nous y aller ? Ok. Ok, mais il faut le retourner à Foragen. J'avais pas découvert. Ok. Je pensais avoir tout découvert, mais non, en fait non, il y a encore plein de choses à découvrir dans ce jeu.
Ça a l'air sympathique l'endroit. Nous allons peut-être vous aller le regretter. J'aurais dû garder... Oh putain, pourquoi j'ai pas... Ah ouais, c'est vrai que... Oh shit. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh my god. Ok, ok, d'accord. Fucking machin là. On sait où il faut aller. C'est chiant. Je sais pas comment il m'a eu. Il m'a défoncé le machin. Sérieux. Donc il m'a one shot quoi. J'ai rien compris. Peut-être pour pallier à ça, je pense que je vais chercher mon armure que j'ai oublié de prendre. Vu que j'ai plus de 50 cœurs d'énergie, je pense que c'est le temps d'y aller en fait. Donc voilà, je pense que je vais y aller. Illico presto. Et on se retrouve là. Aujourd'hui, ma vieille carcasse a bien du mal à se tenir debout. Et en fait, non, en fait, je vais arrêter cet épisode à ce niveau-là. Donc, quand j'ai passé un peu les minutes. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour un épisode. C'était la partie 2. Gancho, bye bye!